François, si deux personnes, par exemple, vivent dans le concubinage depuis, par exemple, si deux personnes vivent dans le concubinage depuis 10 ans, bon, l'homme se convertit, mais la femme ne veut pas se convertir. Qu'est-ce que font les deux personnes, étant donné que la femme a perdu sa virginité entre les mains de cet homme? Et tu parlais que le mariage, c'est... Ces deux personnes vivent déjà le mariage simplement, et il faut, au niveau de la famille, par exemple, si c'est elles ont fait ce qu'il fallait, donc elles sont déjà dans le mariage simplement. Il faudrait que mais qu'elles aient devant le maire, tout ça, c'est parce qu'on est en France, et comme c'est la femme qui s'est convertie, donc il faudrait surtout pas qu'elle divorce et qu'elle quitte son. Ils ont des enfants, non, les deux, donc voilà, c'est déjà une famille, donc il faudrait pas qu'elle quitte le foyer, mais par contre. Éviter les rapports intimes, oui, jusqu'à ce que les choses soient faites officiellement, proprement. Ouais. Non, même si le gars ne veut pas, le monsieur ne veut pas, Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que le mari païen est sanctifié par sa femme. Donc, elle va prier, elle va rester dans la sanctification jusqu'à ce que le mari accepte de l'épouser devant le maire. Voilà. Et si il aime cette femme, bien sûr, il va l'épouser.